Place de Dins. Cette place carrée fermée fut l'ancien cloître d'un monastère de l'ordre de Saint-Augustin, construit au XIVe siècle. Quatre siècles plus tard, le monastère fut légué à la municipalité et c'est ainsi qu'il fut transformé en marché et réaménagé en logement pour les particuliers. Les accès, caractérisés par leurs portiques et donnant sur la rue Saint-Thomas, sont ornés d'un arc gothique, seul et unique vestige de l'ancien monastère. La très fréquentée place de Dins conserve sa structure originale de cloître monastique. Aujourd'hui, c'est un excellent point de départ pour un parcours gastronomique de bars des plus traditionnels, où l'on peut déguster les meilleurs plats typiques de l'héritage culinaire local, comme par exemple la pelicana, el bolets, les cepadeñes, et qui peut être accompagné du fameux café liqueur local, et toute une série de plats qui constitue une alternative appétissante et variée à la cuisine conventionnelle. Mais si vous préférez manger à une table et sur une nappe, les restaurants de la ville offrent de savoureux exemples de la gastronomie autochtone, tels que les poivrons farcis de riz, la olleta, la boreta ou le délicieux arroz al forno.